C'est Thibaut Pêche. Aujourd'hui, je vais vous présenter le matériel que j'utilise pour plonger. Donc, le minimum, hein, moi, je suis pour la simplicité. Donc, c'est du matériel qui est pas cher, qui me va très bien. Hein. Bon, la plupart, ça vient de chez Decathlon. Hein. C'est facile d'aller chez Decathlon. Ils ont pas mal de matériel et ça me va bien, quoi. Donc, le fusil, c'est un 75. Avant, je pêchais beaucoup en 90, mais souvent les eaux, faut dire, elles sont plus dégueulasses qu'avant. Donc, on n'a pas toujours une bonne visibilité. Ça permet d'aller dans les trous et c'est très très maniable. C'est plus léger, moi j'aime bien, ça me va bien. Donc, ce fusil coûte 50 euros, hein, c'est donné hein, presque. Bon, par contre, j'ai rajouté une flèche. La première, elle s'est pliée sur un congre. C'est vraiment, c'est des caca quoi. Les flèches Décathlon, c'est pas la peine. Et j'ai changé le sando pour un truc qui avait plus la frite. Hein. Parce qu'au début, la flèche elle avait tendance à descendre. Elle n'était pas assez puissante. Alors, comme masque, le masque il vient d'AliExpress, un truc à 8 euros. Hein. C'est très bien, on peut mettre une caméra. Et le tuba, c'est Homer. Pareil, j'ai acheté ça chez Decathlon. Ça va bien. Un petit truc là au passage, hein, dentifrice, c'est ce qu'il y a de mieux pour enlever la buée. C'est radical. Hein. Et là, petite caméra. Donc, la caméra dont je suis très content. Elle coûte 30 euros sur AliExpress. Elle filme en 1080 sur 60. Elle est bien étanche, c'est parfait quoi. Et comme combinaison, alors là c'est un ensemble qui va pas ensemble, mais alors là c'est un truc de la Marine nationale en 3 mm, hein, pour l'été ça va bien. Et en haut j'ai une 5 mm Décathlon, ça j'avais acheté ça, c'est un gars super sympa sur le bon coin. Donc bonne affaire. Ouais, j'en ai pas pour très cher et ça suffit. Pour l'été en tout cas, après je mets une 5 mm aussi en salopette quand il fait plus froid. Là, chaussons, gants, bah, c'est Décathlon aussi. Hein. Ceinture marseillaise, moi c'est ce qui me va le mieux, c'est pratique, elle est souple, on peut la serrer comme on veut, on peut grossir, maigrir, c'est pas un problème. Le plomb, bah, moi je mets 10 kilos, hein, je fais 83 kilos à peu près, faudrait moins, mais bon, comme je fais dans les petits fonds, c'est ce qu'il faut. Les palmes, bah, classique, plastique, hein, pas de carbone, je les casserai direct, hein, ça me sert à rien. Couteau Décathlon, très bien aussi, 18 euros je crois j'ai payé. Donc il coupe très très bien, je le mets sur l'avant-bras, côté gauche, comme j'ai le fusil, je tiens le fusil à droite, je suis droitier. Donc accès facile, vraiment j'en suis content, il tient bien. Pour faire repérer, donc ça c'est obligatoire, on s'est lavé un peu la tête, hein, mais bon. Bouée saucisse, hein, pas de planche, ça me sert à rien, c'est pareil, c'est trop encombrant, j'en ai pas l'utilité. Hein. Donc devant j'accroche le plomb, derrière je mets le sac à cruche tressé, et puis toujours les poissons, je les mets pas sur moi les poissons, je les laisse toujours. Voilà. Alors là un petit sando sur lequel j'attache un plomb au bout, la bouée de l'autre côté, du tuyau d'aquarium, il y a eu 12 mètres à peu près, c'est bien. Et là bah, enfin le filet à crustacés, indispensable pour les homards, les coquilles, même pour trouver les saletés qu'on ramasse dans la mer, comme les gens c'est des gros crados. Hein. Voilà. Donc je vous souhaite des bonnes sorties et puis voilà, moi j'aime bien les trucs simples et c'est suffisant pour moi. Voilà, je vous souhaite une bonne chasse. À plus.